Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne en mode pipelette activée. Je m'appelle Flavie de la chaîne, de l'Instagram et du Ravelry by Nakiali. Je suis ravie de vous retrouver sous la pluie mes amis. Il pleut comme vache qui pisse comme on dirait chez moi. Ou fait un temps de chien, de gueux même je dirais. Je crois que j'ai fait un petit passage dans l'espace-temps. Je suis partie en vacances. C'était la canicule ici en Bretagne. Je reviens. Eh bien, on est au mois de novembre, et encore un mois de novembre pluvieux pourri, quoi. C'est-à-dire que là, on a eu une petite journée d'accalmie, mais là, il pleut, il vente, enfin, c'est l'horreur. Donc, voilà. Mais ça va, malgré tout, j'ai poussé un peu le voilage. On n'a pas de rideau, mais on a des voilages. Je l'ai poussé un peu, comme ça, on a un petit effet lumineux quand même. Voilà, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, comme je l'ai dit. Une petite vidéo hybride, cette fois. J'avais envie de vloguer pendant les vacances, quand je suis partie, et puis en fait non, sur place j'ai eu envie de profiter à fond de ma famille, des moments de détente, etc, et vraiment de rester dans ma bulle familiale, et de vacances, et de profiter du soleil, de la piscine, de l'aquapark, du spa, du jacuzzi, tout ça, et voilà, et du soleil donc, hein, pas là, et du coup c'est vrai que j'ai pas vlogué. Mais je vous ai partagé quand même en story sur Insta les différentes choses de mes journées trépidantes de vacances, n'est-ce pas? Sinon, à part ça, du coup, comme j'avais envie de vlogger au retour, je me suis dit, ah, mais quand même, ça me trotte. Bon, je suis pas très bonne, hein, vlog. Il y a beaucoup de filles qui font ça très bien, qui font ça régulièrement. Moi, ça va être ma première fois presque. J'ai fait un vlog pour la présentation de mon petit coin atelier et un vlog pour le week-end couture. Chez Marion de la chaîne Fil en rêve, mais c'est vrai que à part ça je crois pas que j'ai fait de vlog en fait. Non, j'ai fait un tag en répondant à des questions etc, mais j'ai pas fait de vlog. Bref, tout ça pour dire que cette vidéo, je voudrais un mélange de podcast avec mon bilan couture au fur et à mesure que je fabrique, que je réalise mes réalisations. C'est beau ce que tu dis, réalise réalisation. Bref, à chaque fois qu'il y a une nouveauté. Et en même temps, papoter un peu en fonction de ce que j'ai à faire ou de mes pensées qui divaguent, tout ça. Donc on va faire donc une vidéo hybride, mi-vlog, mi-podcast, et je me suis dit que ce serait un vlogcast. Voilà, j'espère que vous êtes d'accord avec ce nouvel intitulé, je pense que je mettrai ça dans le titre. Voilà. Bon, avant de finir cette intro, je tiens déjà à remercier toutes celles et ceux, mais c'est surtout des celles, je crois que j'ai aucun garçon qui m'ait écrit, mais qui ont joué le jeu sur ma dernière vidéo, à soit m'écrire un petit commentaire ou me mettre un petit smiley émoticône en rapport avec soit les vacances ou l'anniversaire, parce que c'est l'anniversaire de mon chéri quand j'ai sorti la vidéo. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et d'avoir inséré ces petits smileys, soit tout seul, soit dans votre message. Moi j'adore vous lire, donc vraiment un grand merci. Merci et bienvenue aussi aux nouvelles abonnées. Là aussi je crois que c'est que des madames. Ou alors des fois c'est des madames sur les comptes de messieurs. Mais j'ai pas l'impression que j'ai vraiment d'hommes. Bref, on s'en fiche Flavie. Donc tout ça pour dire, je vous avoue je suis un petit peu, pas gênée mais... je suis pas très à l'aise avec l'exercice, on va dire ça comme ça. Autant papoter avec vous avec un peu une feuille de route de présentation de tout ce que j'ai réalisé dans le mois, je trouve ça facile. Autant là, j'essaie de me dire dans quel sens je vais faire les choses pour pas vous perdre. C'est surtout ça, parce que je suis un peu pipelette, mais je voudrais qu'il y ait un genre de fil conducteur quand même, que je vous saoule pas au bout de 10 minutes. Donc il faut que je m'organise dans ma tête à me dire par quoi je commence, où je vais... où j'en serais rendue pour essayer de vous retrouver et pas perdre le fil de ce vlogcast. Bon, allez, on va s'arrêter là sur l'intro. Qu'est-ce que je porte vite fait avant de passer vraiment aux réalisations? Je porte la tunique qui est une combinaison de deux patrons. Oui, la combi Bella. Donc j'ai pris le haut de la combi Bella jusque là. Cette fois-ci, j'ai mis la partie ouverte devant comme Flo de Mali n'arrête plus de coudre, alors que moi, jusque-là, je la mettais dans le dos. Et le bas, c'est le bas de la robe Mia de l'usine à bulles. Est-ce que je l'ai dit que combi Bella, c'était de Gael Enso? Je ne sais plus. Eh bien, je vous le dis.
Et donc le bas, robe Mia de l'usine à bulles. Voilà, en dessous je porte une brassière tamis doublée que je vous ai déjà présentée en vidéo numéro 7, je crois, le challenge couture patron gratuit. Donc c'est sur l'extérieur, j'ai mis du Punta di Milano pour le côté un peu gainant maintien, et à l'intérieur du jersey de coton. Et en bas, ah si, un shorty auréole quand même de Vanessa Salin, que je vous montrerai pas, n'est-ce pas? Et un legging du commerce, donc on s'en fiche. Allez, on attaque donc, première réalisation que j'ai faite avant de partir en vacances, mais tout juste, hein, je vous en ai parlé, bassiné, comment... Je la voulais avant de partir en vacances pour l'amener avec moi. Il s'agit du sac banane Charlie de Dodinette. Voilà. Je voulais partager en... Comment on a dit? En story sur Instagram. Donc c'est pareil, si vous me suivez que sur YouTube, et ben filez voir aussi sur Instagram. Comme ça, vous verrez un petit peu ce qui se passe dans mes journées en story. Et puis après, ben, je publie aussi... Mes cousettes, si vous voulez les retrouver, c'est un peu mon journal de bord de couture et de tricot, puisque je fais aussi du tricot depuis peu. Enfin, depuis peu, depuis novembre, début novembre 2022, oui, c'est ça. Donc, la banane, ne te perds pas, Flavie. La banane, j'ai fait la version là, avec poche zippée devant, deux empiècements là, la grande ouverture là. Et j'avais aussi acheté le pack additionnel, je crois que le tout, le patron plus le pack, je ne sais pas si c'était pas 7,99 ou 8,99, je ne sais plus. Franchement, je ne me rappelle plus. Bref, je voulais faire cette banane déjà l'année dernière, mais le temps de me... Comment on va dire ça? Le temps de me dire il m'en faudrait une, le temps de voilà de me lancer et tout, je me suis dit c'est trop tard, j'aurais pas le temps de le faire pour les vacances. J'avais pas le nécessaire en termes de bouclerie, mercerie, enfin les sangles, tout ça. J'ai lâché l'affaire, j'ai dit on verra ça l'année prochaine. Donc cette année, j'ai dit cette fois, essaie de prendre les devants et fais-la avant de partir. Ça c'est une toile parce que évidemment, bah, je savais pas si ça allait me plaire déjà, donc j'allais pas non plus me ruiner pour acheter tout plein de tissus prévus pour, etc. Et je vous avais dit que ce tissu-là, j'avais récupéré un bout pour finir la bande de mon sweat, je ne sais plus. Si, le haut de la robe Mégane que j'avais fait en sweat, dans ce Punta di Roma de chez Driessen-Stauffen, n'est-ce pas? Et donc, comme j'avais peine et que je ne voulais pas jeter, d'ailleurs j'ai encore des petits bouts que je garde, on ne sait pas pourquoi, mais bref. Eh bien, je me suis dit, ça ferait une trop chouette banane. Je vous montre vite fait comme ça, mais j'essaierai, j'espère que j'ai gardé les photos. Normalement, oui, que je les retrouve et que je les mette là. Donc, voili, voilou. Voilà. Donc, c'est la taille 3. En l'ayant utilisée pour les vacances, bon, là, elle est vide, hein. Mais la prochaine fois, je ferai la taille 4. Donc déjà, j'ai déjà prévu pour une prochaine. Taille 4 parce que 3, c'est un peu juste. Pour mettre mon téléphone, mon boîtier de lunettes, d'ailleurs c'est un peu chiant, je vois qu'il y a le reflet, mais je suis désolée si je ne mets pas mes lunettes, je ne vous verrai pas. Enfin, je rigole, mais j'y verrai pas grand-chose hein, pour récupérer mes affaires, etc. Donc, bah, je suis désolée. Vous aurez le reflet. Donc taille 3, mais un peu juste. Comme je vous le dis, j'avais donc mon téléphone. Mon boîtier de lunettes pour alterner entre les solaires et les lunettes de vue. Un paquet de mouchoirs. Un petit porte-monnaie. Là, pour le coup, j'ai dû même pas utiliser mon porte-monnaie habituel et prendre un tout petit truc qui servait à ma fille avant. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Bah, mes papiers. Voilà. Et ma carte bancaire et les clés de soit du mobile home ou du Airbnb là où on était en vacances. Je crois que c'est à peu près tout. Donc, au final, ouais. Ça, pour moi, c'était trop juste. Ouais, le paquet de mouchoirs, les clés, en gros, je mettais dans la poche ici. Ici, le pack additionnel, j'ai fait une poche à l'arrière. Vous voyez que j'ai bien utilisé ma banane parce qu'elle a tout bouloché ici. Donc, ce tissu est merveilleux comme ça quand on le porte en tenue. Mais j'avais pas réalisé. Alors, c'est vrai que mon sweat, je l'ai porté déjà bien souvent et je l'ai cousu il y a bien longtemps. Donc, forcément.
il y a des endroits de frottement où il faudrait que j'enlève les petites bouloches, mais déjà les bouloches elles sont de la couleur du tissu donc ça se voit pas vraiment. Comme par exemple là on peut voir qu'il y a un petit peu, je sais pas si on voit. Sauf que là, ben, je sais plus sur comment j'étais habillée, mais bref, ça a frotté a priori sur du noir, ça fait caca. Donc je prendrai le rase-bouloche là et j'enlèverai ça. Mais voilà. Autre truc qui m'a un petit peu déçue, pour ne pas dire saoulée, je vous remets comme c'était au départ, la sangle, c'est qu'en fait, portée comme ça avec le poids des affaires dedans, ici, ça faisait que de se barrer comme ça. Voilà. Donc de tourner ici, même si j'avais pourtant fait une piqûre de renfort ici qui n'a pas sur le patron, mais je m'étais dit, tiens, pour pas que la boucle se fasse trop la malle, je vais faire ça. Eh bien, ça n'a pas arrêté de faire ça. Donc la sangle ici, elle est toute fripette. C'est pas très grave, mais ce côté tout le temps essayer de le remettre, ça m'a un peu énervé. Donc, pas enfin, énervé. Toute, comment on va dire, toute mesure gardée. Tout est relatif, mais c'est, ouais, ça m'a un peu enquiquiné et je me suis dit qu'il fallait que je fasse autrement. Je me suis aperçue du coup que ces deux rectangles-là, j'en voyais pas bien l'intérêt, à vrai dire. Là, pourquoi pas pour accrocher ce bout, mais finalement, de toute façon, dans le pas à pas, il y a plusieurs versions. Il y a la version où on accroche directement là, sans ce petit bout-là. Et regardez, si c'était accroché directement comme ça ne pose pas de problème. Tout comme là. Alors là, par contre, non, ça ne marche pas parce qu'ici, on a le côté régleur. Donc, j'ai commencé à réfléchir dans ma petite tête. Oui, je vous jure. En revenant de vacances, je me suis dit, il faut que je trouve une autre solution pour la prochaine. Et là, je vous dis vite fait, avant de vous montrer la suite, mais j'aimerais en fait en réaliser une d'abord, là, assez rapidement, pour ma collègue de travail qui part en retraite et va m'abandonner à mon triste sort. Et j'ai passé, quoi, 5 ans peut-être avec elle seulement. Mais ouais, c'est. On va dire que c'est une chouette collègue. Je sais pas comment vous dire, tout est fluide. Elle a l'oreille attentive, elle est tout le temps à l'écoute, elle est tout le temps de bonne humeur, tout va tout le temps bien se passer. Donc elle ne. Voilà. Si vous avez des moments de doute ou vous sentez que vous êtes un peu trop stressé parce que vous n'êtes pas sûr d'arriver au bout du dossier ou quoi, non, elle, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et ce côté un peu zen, rassurant et toujours à l'écoute est sympa. Eh bien, ça va grandement me manquer parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver en remplacement. Donc voilà, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Et donc vraiment, comme c'est une très chouette personne, et ben j'aimerais la remercier et lui offrir une banane parce que elle part en retraite et elle aime bien. Alors jusque-là, partir en vacances, bon bah là, elle sera en vacances toute l'année, hein, c'est génial. Mais elle aime bien partir en vacances un peu sur un coup de tête, paf. Ils réservent vraiment au dernier moment avec son mari et tout, et ils prennent la caravane et hop, et ils font le périple. Et puis s'il fait pas beau, la météo, ils se disent ok, on bouge, on fait ça. Donc je me suis dit que pour ce côté un petit peu aventurière, pour pouvoir partir un peu tout le temps, eh bien une banane ce serait pas mal pour, bah voilà, pour s'éviter le côté sac à main un peu lourdingue. Et ben dans ces petites virées, elle aura une pensée pour moi. Oui, une pensée pour moi. J'ai eu un doute de savoir si c'était vraiment français ce que je racontais. Donc j'aimerais lui faire une banane. J'ai déjà une idée des tissus, mais je m'égare. Je m'égare, je m'égare. Donc j'en reviens à la mienne. Donc j'ai fait la version avec donc la face avant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous aurez remarqué, comme j'ai géré ici le haut et le bas pour avoir la fleur presque en entier, quoi. Je crois qu'en plus, c'est même pas le même bout de fleur. Si, si, si. Voilà. Ici, par contre, non. Si, là, mais pas là. Ben non, regardez, c'est pas possible. Mais enfin, bref, j'ai essayé de faire un patchwork qui était assez joli quand même avec mes chutes. Par contre, c'est ici que j'ai, voilà, que j'ai géré pour faire la suite. Voilà, ici. Oh, ça fait vraiment moche, hein, mes petites bouloches là. Dedans, nous avons donc ici, alors, hop, que je vous parle vite fait des tissus que j'ai utilisés pour le reste. Ici, sur la première poche de devant,
face avant. Voilà. Bah, comme il n'y a rien dedans, ça part en cacahuète. Ici, nous avons une viscose dans laquelle j'ai fait un pantalon Pamina de Fadenkefer. Viscose donc bordeaux à pois noir qui vient aussi de mon ami Driessenstoffen. Et derrière, nous avons une gabardine stretch, je crois, bordeaux, pareil, de chez Driessenstoffen, dans lequel... Alors lui... comment on va dire, il a eu une destinée particulière, parce qu'il a commencé en pantalon Dresde, qui était raté, qui a été raccourci en short, raté, puisque évidemment, comme les jambes sont fuselées, quand je voulais faire le revers, ça marchait pas. Il n'y a pas assez de tissu en bas par rapport en haut, bref. Et au final, eh bien, j'ai coupé dans une partie du short et dans les jambes que j'avais gardées de ce pantalon-là. Donc ici... Ensuite, quand nous ouvrons la poche principale, nous avons rebelote en doublure ici la viscose, en fond ici la viscose, et ici nous avons une poche intermédiaire, comment je vais vous montrer, comme ça. Donc ici, pareil, avec des pressions, nous avons la gabardine, et là, voilà, la viscose là, la gabardine là, et donc ça se ferme avec... de pression cam comme ça. Et donc, touc touc touc, nous retournons la bête et nous avons le pack additionnel, la poche zippée en plus. Et là, j'ai tout mis viscose là. Voilà. Bon, je vous cache pas que je suis pas une fan des accessoires. Hein. J'étais très contente de l'avoir réalisé, mais sur le coup, cette couture m'a pris des plombes. En plus, ma machine, ma petite... J'ai un homme qui coûte un SMIC. Elle a été pas toujours très sympa avec moi. Donc, il y a eu des fois où elle passait pas les épaisseurs. Elle me faisait des points caca. D'ailleurs, je vous montre vite fait, là. C'est où? Là, par exemple. Je sais pas si vous allez voir grand-chose, à vrai dire. Parce que, comme le truc, c'est un peu déformé. Là, c'est bien. Puis là, pouf, elle me fait un grand trait. Bon, bref. Donc, il y a eu plusieurs fois où elle voulait plus... Ah! Interruption. Petite interruption, je ne sais plus ce que je racontais. Que si, qu'elle galérait à me faire les points. Bref, au final, du coup, ça m'a pris... Combien de temps? Un temps fou. 15 juin, j'ai pas mis la date de fin. La date de fin, je reprends mon autre carnet. Brouillon. La date de fin. Et 8 juillet, je pose la sangle. Voilà, donc... Oui, pas 3 semaines du coup. Bon, après, j'y étais pas dessus tout le temps. Hein. Je faisais des petits bouts tous les soirs. Comme en plus, les accessoires, je maîtrise pas. Et que comme une nouille, j'avais pas pensé à chercher, voir s'il y avait des vidéos, tutos pour tout ça. Eh bien, je me suis amusée à chaque fois à passer sur les deux livrets, à savoir le pack normal et le pack additionnel, qui font chacun, 30-40 pages. Et pour retrouver, j'en suis où, je fais quelle étape, je fais telle partie devant, telle partie dos. Déjà, rien que pour couper les pièces, enfin, pour décortiquer, savoir quelles pièces j'ai besoin. Attendez, j'appuie sur l'écran, parce que tout à l'heure, j'ai appuyé quelque part, et ça me gêne, je vois, ouais. Bon, bref, j'ai touché à la luminosité, j'espère que je suis pas trop... soit dans l'ombre, soit surexposé. Bref, donc je disais que je m'amusais déjà d'avance. J'ai décortiqué le patron pour me faire une petite liste des pièces à décalquer. En gros, j'ai fait j'ai fait des petits dessins comme ça pour dire quelle face, donc le dos comme ça, la poche intérieure et le devant. Et du coup, chercher à chaque fois quelle pièce j'avais besoin dans le tissu extérieur, dans le tissu doublure. J'ai fait pareil pour la version taille 4 que je vais faire donc pour ma collègue. Et tout ça, ça prend un temps de dingue. Et je ne suis pas habituée, parce que j'avoue que mes coutures habituellement, c'est plutôt je décalque, je coupe, je couds, et en gros, c'est torché en une ou deux journées max. Mais voilà, et là... Là, ça m'a pris, ouais, bah, comme je vous l'ai dit, 3 semaines. Alors, par petite touche, mais sur la fin, j'en avais un peu marre et j'étais pas sûre que quand j'allais retourner toute la bête, ça allait être merveilleux. Heureusement, c'est merveilleux. Bon, avec le tissu qui bouloche, c'est dommage, mais au moins maintenant, je sais
comment ça se monte, on va dire. J'ai déjà appris et maîtrisé quelques techniques parce que les fermetures éclair, c'est pareil. J'ai dû en poser avant ça, juste deux, trois pour faire des petites trousses avec des oreilles en tête de chat pour ma fille à mes tout débuts en couture, pour elle et ses copines. C'est tout ce que j'avais fait en termes de fermeture éclair. Parce que je crois que j'en ai pas posé sur des vêtements encore. Ah si, sur les vestes Leia pour moi et pour ma fille. Mais bon, voilà, j'en ai pas posé des 1000 et des 100. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est pour ça que ce sera un petit peu vlog, je vous tiens en haleine. Je vais essayer de modifier la banane pour que ma sangle soit accrochée directement à la banane. Donc là, je vous cache pas que comme c'est ma toile, qu'elle est un peu déjà, elle a déjà bien vécu, elle bouloche, comme je vous dis, un peu partout là, même sur le dessus. Je pense que je vais un peu couper là, raccrocher, enfin voilà, je vais pas tout démonter, réouvrir pour la retourner, etc. Mais voilà, je vais me simplifier la vie pour m'enlever les trucs comme ça, là, pardon, je suis plus dans le champ, pour enlever ça, et puis je pense que je vais retourner cette partie-là que je vais accrocher directement là. Je vous donne déjà un peu la solution de ma petite réflexion. On verra si ça marche. Parce que avant de me lancer dans la deuxième, j'aimerais bien voir sur celle-ci si ça marche. Ça serait bien que je boulette pas sur celle de ma collègue, n'est-ce pas? Voilà. Et peut-être même que j'enlèverai la boucle là. Je sais pas, pour la récupérer, pour ma prochaine banane. Voilà. Parce que j'ai déjà tout l'équipement pour la sienne. Bah écoutez, j'ai blablaté déjà 21 minutes 50 entre l'intro et ça. Je vérifie quand même sur mon petit carnet si j'avais pas autre chose à vous dire. Oui, alors par contre, bouclerie, sangle, thermocollant, tout ça, moi j'ai mis que j'avais pour environ 20 euros. Parce que de mémoire, la sangle et toutes les boucleries, tout ça là, que j'ai acheté chez Centre-Accord, je sais pas si j'en avais pas pour 16 euros. Alors c'est sûr que quand on voit sur Shein, AliExpress, Temu et autres, les sacs bananes à 2 euros ou bref, à moins de 5 euros, c'est sûr que là, ma banane, rien qu'en termes de temps de couture et de bouclerie et autres, elle vaut beaucoup plus cher. Mais symboliquement, j'avais la fierté de porter la banane réalisée par moi-même. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Paf, paf, poche, nanana. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer aussi, j'ai mis un petit, comment on appelle ça? Un petit truc accroche porte-clés, accroche-clés, voilà. Normalement, ce truc-là est beaucoup plus large, mais comme j'ai pas pris le petit mousqueton, je sais pas comment on appelle ça, mousqueton tournant, voilà, il pivote là. J'ai pris en plus petit parce que celui qui était de, je crois que c'était 20 mm, et celui-là ça doit être un 13. Le 20 mm chez Centre-Accord, il était couleur bronze, ou vieux, enfin ouais, un genre de vieux doré, donc je dirais bronze. Mais il était très lourd, il faisait très mastoc. Je me suis dit rien que le poids de ce truc, d'ailleurs c'est pareil, ma banane, je vais réfléchir à la question, parce que la même à vide. Le Punta di Roma, plus le thermocollant, plus la gabardine, plus ci, plus ça, ben malgré tout, et puis ça qui sert à rien, ça fait du poids en fait. Alors que là, elle est vide. Donc voilà, je vais essayer de repenser ça de manière plus efficace et efficiente en fait. Voilà. Pour que ce soit une banane au top, quoi. Voilà. Donc, je repose ceci. Puisque là, je pense que j'ai tout dit. Oui, alors j'avais testé aussi, je ne vais pas y arriver à arrêter avec cette banane, ça va vous tenir tout l'épisode. Ici, j'avais voulu essayer de mettre du passepoil au-dessus, en dessous, là. Je l'ai viré parce qu'en fait, quand je... Là, vous voyez, je vais me rapprocher, j'ai essayé de vraiment repositionner ça au ras des dents, quoi. Vous voyez? Qui est vraiment pas trop de... Bah là, on le voit mieux, qui est pas trop de jour. Le problème, c'est que quand j'essayais avec le passepoil là, bah, en fait, on le voyait quasi plus. Il aurait fallu regarder comme ça, là, et soulever pour voir légèrement le passepoil bordeaux. Ça se voyait quasi pas. Donc, voilà, j'ai commencé à le poser d'un côté. Quand j'ai vu qu'en retournant, ça faisait ça, j'ai dit, allez, zou, je l'enlève. Bon, ben, je pense que c'est à peu près tout. De toute façon, donc, tous les tissus, c'était des chutes. Donc, on va dire que sur cette partie-là, ça m'a
Ça m'aura pas coûté cher, mais c'est tout. Je vous dis, la bouclerie, etc. Maintenant, j'aimerais donc en faire une version 2, mais cette fois-ci en taille 4, comme je vous l'ai dit pour ma collègue. J'ai sélectionné ce tissu-là pour l'intérieur. Je ne me rappelle pas ce que c'est. Enfin, je ne me rappelle pas. J'en sais rien, en fait. C'était un tissu qui était dans une box DS, donc Dries & Stoffen. J'en avais acheté deux d'un coup. Et c'était un tissu, j'ai envie de dire... Il a comme un effet lin ou coton, lin, lavé, je ne sais pas. Vous voyez, on voit les fils de chaîne et de trame. Je ne saurais pas dire ce que c'est. Si jamais vous avez une idée, dites-le moi. Je ne suis pas très bonne en tissu hein, quand même. Donc voilà, ce bleu quadrillé, je ne sais même pas si je suis à l'endroit ou à l'envers. Là. Non, c'est à vous, vous avez l'endroit, c'est bon. Donc jaune... un peu orangé là, bleu jean un peu. Donc j'ai un morceau comme ça là-dedans. Moi j'avais juste fait un col à ma fille à l'époque où elle voulait mettre des cols sous tous ses pulls, sweat, etc. C'était la mode apparemment, donc je lui avais fait 2-3 cols. Et comme ma collègue, ce sera le petit clin d'œil, n'aime pas jeter, mais à un point c'est du coup la, comment vous pouvez dire ça, c'était aussi la personne assez référente dans mon travail, quoi, là où je travaille, parce qu'elle avait la mémoire de pas mal de choses, puisqu'elle était là de longue date et qu'elle ne jetait rien. Donc c'est vrai que si on lui demandait, par exemple, de retrouver je sais pas quoi, qui datait de des années, elle nous ressortait des archives assez impressionnantes. Donc comme elle aime pas jeter, et que là, elle a dû se faire violence pour commencer à dégager des choses de son bureau, des archives et autres. On a senti que c'était dur. Je me suis dit que pour le petit clin d'œil, je voudrais lui faire une partie de la banane en récup. Voilà, parce que moi non plus, j'aime pas jeter. Donc, on se complète bien. Mais dans le boulot, j'arrive quand même plus à éliminer au fur et à mesure certains documents. Mais c'est pareil, enfin c'est pareil, non c'est pas pareil, parce que justement à la maison ça a une valeur un peu plus sentimentale. Il y a une petite émotion derrière chaque objet ou chaque pièce, vêtement ou bref, qu'il n'y a pas au boulot, quoi. Je ne me dis pas, ah ce papier, cette circulaire ou je ne sais quoi, ouh là là. Vous voyez, j'ai pas ça, non. Donc là je vais lui faire dans des jeans du grand de mon chéri. Qu'on avait gardé et pas jeté, parce que voilà, pourquoi jeter? J'aurais pu les mettre à la borne, hein, sauf que comme je venais de me mettre en couture, dès qu'on a eu fait le tri, j'ai fait ok, donne, des fois que ça me serve. Bon, jusque là je voyais pas trop à quoi, mais voilà, maintenant je sais. Donc j'ai deux jeans différents, un peu délavé et un plutôt bleu. Je sais pas de combien j'aurais besoin ni comment je vais organiser tout ça, mais voilà. Ça va bien s'assortir, mes amis. Donc maintenant, celui-là, il est propre. Bon, maintenant, je l'ai déplié comme du caca. Mais ceux-là, ça fait longtemps qu'ils sont stockés. Donc, je vais les passer en machine pour leur donner un petit coup de frais et de sang bon. Comme ça, j'ai pas envie non plus que ça sente le jean stocké poussiéreux. Alors que celui-là, quand même, il est plus récent, donc ça fait pas très longtemps. Donc je vais passer ça en machine, d'où le côté un peu vlog, vous allez suivre un peu mes aventures. Et voilà, donc je vais vous mettre sur pause, je vais lancer ça pendant qu'on papote. Hein. J'espère que vous n'entendrez pas trop par contre la machine tourner après. Eh bien tant pis, c'est la vraie vie. Hein, on fait ça? Et est-ce que je ne lancerai pas mon lave-vaisselle? Non, là par contre je vais le laisser attendre parce que je suis dans la même pièce. Là on est dans la pièce à vivre. Je suis cachée sous l'escalier, comme si jamais vous voulez voir mon vlog, présentation de mon coin couture, je crois que c'est le vlog numéro 2, ça date un peu, hein. Mais bon, je vous laisse aller voir sur ma chaîne. Donc je vous mets sur pause, je vous reprends après. Voilà, donc on se retrouve, j'ai lancé ma machine, j'espère qu'on n'entendra pas le bruit de l'essorage tout à l'heure, et on va attaquer la partie tricot. Si tout va bien, mais là comme je vois qu'on est déjà une demi-heure, j'aurais bien fait la suite de la couture de la banane de ma collègue après, mais je sens que je vais être pipelette et que ça va être long. Donc je ne sais pas si ça fera pas genre un épisode avec je vous présente tout ça,
l'épisode d'après, où on en est de la banane, etc., je vais peut-être être obligée de morceler parce que j'ai toujours pas la fibre. Donc, moi, faire tout ce qui est upload de vidéos, etc., ça prend des heures. Et du coup, voilà. C'est complicado. Donc, j'aimerais bien que la vidéo, comme d'habitude, ne dure pas trop longtemps. Donc, si possible, une heure, allez, 1h15, 20, si vraiment. Mais bon, pas trop quand même, parce que c'est pareil, hein. Trop, c'est trop. Bon, sur ce, on attaque première paire de chaussettes. Alors, je suis désolée, cette fois, ce sera encore des chaussettes et des sockets, mais promis, normalement, bientôt, on va rattaquer mon pull que j'ai laissé un peu séché. Je l'ai commencé quand? Je ne sais plus. Je l'ai commencé il y a un bon moment. Ben, quasi à mes débuts en tricot, peut-être en février. Et puis, en gros, j'étais arrivée au moment de séparer les manches, parce que c'est un top-down. Donc, j'en étais rendue là. Et je me suis arrêtée parce que je ne savais pas trop comment faire. Et puis, il fallait rajouter des mailles, je crois. Et donc, je voulais essayer de trouver un tuto, etc. Mais je n'ai pas pris le temps. Et j'étais dans ma frénésie de je veux faire des chaussettes. Là, comme juste avant de partir en vacances, j'avais commencé une paire de chaussettes. Bah, je l'ai finie juste avant de partir. Et j'ai juste pris un peu de laine, etc. De quoi partir en vacances pour me faire une ou deux paires que je vous présenterai, que je vais vous présenter. Et du coup, après, je me suis dit que quand je serai de retour à la maison, c'est chose faite, avec ce magnifique temps d'hiver, d'automne-hiver, ça va me donner plus envie de faire un pull. Hein. Donc, je vais avoir un peu plus de temps pour me mettre dans l'ambiance et puis pour voir comment faire. Je ne voulais pas ramener non plus 15 000 matos, aiguilles, tout ça. Donc, on attaque avec, premier patron, c'est les chaussettes. Bûchette de tricoter ses chaussettes. Je vous montre à quoi ça ressemble. Je sais pas si vous voyez bien le petit motif. Donc normalement, je pense que vous êtes dans le bon sens. C'est un patron collaboratif de Noël 2022. En gros, quand moi je me suis lancée en tricot, c'est-à-dire début novembre 2022, tous les cales sortaient. C'est-à-dire, j'avais vu qu'il y avait celui-là sur Instagram. Enfin, en story, en publication, je ne sais plus comment je l'ai vu, mais bon, c'est sur Insta que j'ai vu ça. En même temps, j'avais vu que Christelle de Démaille et moi proposait son cal avec du jacquard. Et après ça, j'ai vu celui de Lissandre, ou celui de Lissandre en même temps que celui-là, qui avait donc des motifs, enfin des textures. Donc au final, ben là, il fallait un peu choisir son camp. Au départ, j'étais partie pour celui de Christelle. Quand j'ai vu que c'était jacquard, je me suis dit que c'était peut-être me rajouter une difficulté alors que j'étais ultra débutante. Comme je vous ai dit, j'ai commencé par celui de Lissandre, après celui de Démaille et moi que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Et donc, je me suis dit, celui-là, j'avais quand même bien envie de le faire. Donc, je me suis lancée. Alors, je vous montre ceci, cela. J'ai oublié de vous dire patron collaboratif gratuit. Donc, vous pouvez le retrouver sur Ravelry gratuitement. Voilà. J'ai utilisé pour cela de la... non, n'importe quoi. J'ai commencé par utiliser de la laine Regia Premium Silk Color, dont j'ai plus rien. Enfin, sauf... ouais, je vais vous montrer. C'était... Ça tombera pas plus bas. Je ramasserai après, tant pis. Voilà, c'était celle-ci, avec un dégradé comme ça, voilà. De toute façon, je vous l'avais déjà présenté en tricot en cours, donc je vous remontre juste. Donc, 100 grammes 400 mètres, 55% laine, 25% polyamide et 20% soie. Donc, c'est tout doux. J'avais donc utilisé ça, sauf que, comme je l'avais déjà utilisé pour... me faire la petite paire de sockets, de discrètes sockets. Vous savez, j'en faisais des wagons de ces discrètes sockets. Et bien forcément, j'avais plus assez de laine. Donc, arrivé au bout, j'ai rajouté un petit bout de celle-ci. Donc, c'est la Regia Premium Alpaca Soft. Donc, vous voyez, la pelote est presque pleine là. Et donc, celle-ci, 100 grammes. 310 mètres, et elle est toute poilue, je sais pas, je pense que vous voyez, ouais, que l'autre ne l'est pas. De toute façon, on va voir la différence ici. Rebelote, je vais tomber, ça commence vraiment bien ce podcast, enfin, ce vlogcast en carton du coup.
Je vais tout tomber. Vous voyez? Donc ici, c'est le dégradé de la silk. Et ici, à partir de là, j'ai fini donc avec la alpaca soft. Alors, c'est doux, c'est poilu, mais alors du coup, ça efface un peu le motif de texture dans les poils. Et en même temps, ici, c'est le dégradé de couleur qui efface le motif de texture. Donc, j'ai envie de vous dire, j'ai pas fait le choix peut-être le plus heureux, mais bon, il faut bien essayer. J'utilise les laines que j'ai en stock, je voulais pas non plus racheter exprès. Bon, je ramasse un peu mon bins et je vous reprends. Voilà, j'ai tout ramassé, j'en ai profité pour les mettre sur bloqueur, tant qu'à faire. Donc voilà comment ça se. Bon, elles sont pas lavées bloquées, donc c'est pour ça tout à l'heure c'est pareil. Et j'irai faire un petit tour de lavage blocage de mes trois paires de chaussettes ou sockets. Et comme ça vous pourrez voir un peu mieux ce que ça donne quand c'est fait. Là on voit beaucoup mieux le motif. Comment ça s'appelle? Demi-toile, point de demi-toile. C'est facile à faire, hein. En vrai, je suis débutante. J'ai juste regardé, je crois que c'est sur leur compte Insta. Ils ont fait un genre de mini, de shorts, non, pas de shorts, de reel, pour montrer comment le faire. Est-ce que j'ai regardé un tuto YouTube? Je ne sais plus. Mais bon, c'est juste. Est-ce que je l'ai écrit? C'est juste une alternance. En gros, c'est comme un petit diagramme sur 4 ans avec, je vous le dis puisque c'est gratuit, une maille en droit, le point de demi-toile. Après, c'est un rang en droit. Après, c'est le point de demi-toile et la maille en droit. Et après, rebelote un rang de maille en droit. Donc, pour faire ce point-là, il suffit de voir. Je crois qu'il y a une histoire de. On doit passer. Non. Je vais pas vous dire parce que là, comme j'ai fait deux autres paires après, je me rappelle plus. Alors, c'est un. Ça se tricote dans quel sens déjà? Premier rabat à l'italienne. Donc, c'est que ça se tricote en toe-up puisque j'ai fait mon premier rabat à l'italienne. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? Point de demi-toile, aspect gaufré. Tac tac, toe-up, ouais. Donc Turkish Caston ici pour démarrer. Ensuite, pointe en étoile. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. C'est dommage, j'ai mis les deux sur bloqueur, mais on va le voir ici un petit peu que j'ai un bout ici, un bout là, et que d'habitude c'est en face à face. Donc là, vous voyez, c'est un peu de biais. Je vous cache pas que ça, j'aime pas du tout. Franchement, j'ai pas compris l'intérêt de ce truc. Donc ici, vous voyez, ça fait comme une. Comment on va dire ça? On sent comme une vague comme ça de construction. Mais sauf que, bah, je suis désolée, mais quand on met à plat comme ça, vous voyez, ça rebique là. Quel est l'intérêt, hormis de faire ce genre de petite vague qui fait soi-disant jolie, mais après, vous avez le bout du pied qui rebique comme ça. C'est-à-dire qu'il faut forcer la main pour le mettre à plat, sauf que quand vous mettez à plat, bah ici c'est le bas du dessous du pied qui est en maille en droit et vous avez donc une partie des pointes de demi-toile qui est en dessous. Si vous voulez le mettre comme ça, vous avez votre pied toute traviole et comme ça, bah, ça rebique. Non, franchement, je j'aime pas. Ou alors j'ai mal fait. C'est peut-être moi, remarque. Hein. Je suis en train de critiquer, mais ça se trouve c'est moi qui n'ai pas compris un truc et qui l'ai mal fait. Mais en fait, ce truc-là, pour moi, bah c'est pas beau. C'est pas beau. Vraiment, c'est juste le côté dessin là, mais non. Vraiment, ça, j'ai pas. Voilà, je l'ai refait pareil sur l'autre parce que, bah, tant qu'à faire, j'ai suivi le patron et je voulais que les chaussettes soient pareilles, mais en vrai, non, ça, j'ai pas kiffé. Comme je vous disais que j'aurais pas assez de laine, j'ai pesé pour voir où j'en étais pour, pareil, arriver au même endroit sur. Bah, c'est pas bon en fait. C'est pas bon. Oui, voilà, j'avais pesé, sauf que je pensais que là, j'avais. Oh, j'en perds mes mots. J'avais pesé pour avoir assez, puis finalement, j'ai eu largement assez pour prolonger plus encore ici. Donc, au final, ça, c'est la deuxième, je suis sûre, parce que là, j'avais pris les devants en me disant, Ouh là là, t'as pas assez, tu t'arrêtes, tu laisses de la laine pour le reste. Et voilà. Sauf que, bah, je sais pas. Finalement, ici, j'ai utilisé moins et j'ai réussi à remonter plus haut. Bon, est-ce que c'est très grave?
Non, ce sera dans soit dans les chaussures ou pas, parce que celles-là, je pense que je les avais prévues pour traîner à la maison, mais je pense qu'elles sont quand même assez serrées avec ce point de demi-toile, ça resserre. Parce que je l'ai tricoté en 72 mailles, le patron est prévu en 56 à 80 mailles, mais je sais plus si c'est pas 4 tailles. Tac tac tac, c'est marqué où? Ouais, 4 tailles. Il y a 56 mailles, 64 mailles, 72 mailles et 80 mailles. Donc moi je l'ai fait en 72 pour être sûre justement, parce qu'au départ je voulais que ce soit des chaussettes d'hiver pour être tranquille dans le canapé ou quand je rentre à la maison du boulot pour avoir chaud aux pieds tout simplement, mais pas pour mettre dans les chaussures. Sauf que finalement, je pense qu'elles sont pas si. Allez, je vais faire comme les seins. Je pense qu'elles sont pas si larges que ça. Ça passe, hein? Oh, si. Si, si. J'ai pas trop serré le. Alors, attention. Wow. Donc, le dessous. Et le dessus. Attention, mes amis. Je suis pas hyper souple comme les seins, mais. Vous voyez, ici. Non, vous voyez plus. Mais le petit truc qui fait une petite bosse, là. Bon. Je vais lâcher l'affaire parce que j'ai chaud. Je vais finir rouge comme mes cheveux. Donc ici, juste je vous montre, c'est quand même assez large. Vous voyez, assez souple. J'ai fait donc mon premier rabat à l'italienne. J'ai suivi le tuto de Clos Tricot. Puisque c'est une, comment on va dire ça? Une mine d'informations, une mine de tuto, sa chaîne. Donc si vous avez besoin d'un point technique en tricot, hein, vous tapez le point technique et normalement dans les premières suggestions, vous avez Clos Tricot. Donc, je disais, Turkish Caston, pointe en étoile, que j'aime pas. Je vous le dis, je le redis. Talon renforcé à gousset. Donc, renforcé ici et à gousset, bah, c'est toute la partie là, là. Ensuite, côte 1-1. Je crois que j'ai fait des côtes 1-1 normales. Parce que c'était précisé normal et pas torse. Donc, j'ai fait des 1-1. Bon, bah, du coup, dans cette laine un peu poilue, on ne voit rien. Et j'ai fini par le rabat à l'italienne. C'est un genre de. Pas un genre de grafting parce que c'est pas pareil, mais c'est un rabat à l'aiguille. J'ai pas trop kiffé. Déjà, pareil, il a fallu que je me remette le tuto plusieurs fois pour m'y retrouver. Bon. C'est. Oui. Si, c'est propre quand même. Au début, je disais, ouais, je trouve pas ça très joli. Si, quand même. Mais bon, c'est peut-être too much. Enfin, c'est vraiment. Faut pas, fallait pas qu'on me parle à ce moment-là. Moi, j'ai prévenu tout le monde en disant, ok, je me lance dans un truc là. À part s'il y a le feu, vous m'oubliez parce que je veux pas perdre le rythme de savoir où j'en suis. Je passe devant, je passe derrière, je prends la deuxième maille, et ainsi de suite. Enfin, je vous laisse aller voir à quoi ça ressemble. Comme c'était ma première fois. C'est vraiment presque sur le après la moitié au moins que j'ai commencé à avoir vraiment le rythme en tête et où je me suis dit ah yes, c'est bon, j'ai trouvé. Mais au début, je relançais la vidéo, je relançais la vidéo, je me disais j'en suis où? Je sais pas, j'étais là, rappelle-toi, maille endroit, maille machin, t'es à la deuxième. Ouais, non, c'était un petit peu compliqué. Bon, ça c'est fait, hein. Alors après, qu'est-ce que j'ai marqué? Donc, patron gratuit, dispo en 4 tailles et premier rabat à l'italienne. Ouais. Touk, touk, touk. Ah oui, c'est pas, le patron a expliqué comme si vous faisiez du Magic Loop de début à la fin en parlant d'aiguille 1, aiguille 2. Moi, à part pour la partie pointe où là j'étais en Magic Loop, après j'ai tout fait en circulaire. Hein, je ne me suis pas embêtée. Et du coup, le point de demi-toile, j'ai mis, ça resserre un peu le tricot. Moi, je l'ai tricoté en 2,5. C'était préconisé en 2,25, mais moi, je tricote méga serré. Donc, je savais que si je voulais avoir des chaussettes un peu lâches, un peu tranquilles pour traîner, si je le faisais en 2,25, ce serait beaucoup trop serré. Donc là, je suis bien. Ça va me servir donc pour l'hiver, pour alterner, parce que jusque-là, je mets beaucoup les chaussettes de Lissandre dès qu'il fait un peu frais. Mais je voulais avoir de quoi tourner parce que là, ça les, à force de les utiliser, ça les ruine assez vite. Bah, je vais m'arrêter là, puisque j'ai quand même déjà pas mal blablaté. On verra tout à l'heure mieux après blocage
Je prendrai peut-être une photo pendant qu'elles sont en pendouille à sécher, je ne sais pas. On verra. Donc voilà pour celle-ci. Je vous mets sur pause et on attaque la prochaine paire. Alors, cette fois-ci, je vous parle des chaussettes Arsinoé. Ouais, je pense que vous voyez pas trop mal. Avec ici de la dentelle et un effet de fausse torsade ici. Très sympa. Donc, Arsinoé de Caroline O. Alias mes flocons de laine. Mais quand je l'ai taguée sur Insta, j'ai vu qu'elle m'a répondu sur Plume de Douceur en me mettant que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été sur cet autre compte. Donc j'ai supposé que mes flocons de laine s'étaient transformés en Plume de Douceur. Je vous le remontre là. Voilà, si jamais vous voulez aller voir. C'est un patron gratuit que j'avais mis dans ma bibliothèque Ravelry parce que franchement je trouvais que ce dessin là, c'était trop beau. Est-ce que j'ai une autre photo là? Tac, tac. Ouais. Bon, après, je vais vous montrer la mienne, ça sera plus simple. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous la présenter sur Blocker parce que ces chaussettes sont pour ma maman qui chausse plus petit que moi. Et moi, mes Blocker CD 38-40, mais je trouve quand même plus proche du 39-40 que du 38, n'est-ce pas? Donc si je mets dessus, ben ça va pas le faire. Du coup, je suis également sur YouTube Tricolibri qui parle de ses bloqueurs à chaussettes qu'elle a fait grâce à un patron qu'elle a trouvé sur internet. Et donc j'ai recherché dans ses vidéos pour retrouver le lien et je l'ai trouvé. C'est, j'ai oublié, Cyber Sims ou un truc comme ça. Je vous mettrai ici le nom et si je pense, je mettrai le lien en barre d'infos. Sinon, je vous laisse taper. Moi, j'ai mis patron bloqueur à chaussettes dans la barre YouTube. Ça m'a ramené à la vidéo Tricolibri. J'ai déroulé dans le petit plus et j'ai trouvé le lien vers le patron. C'est pas non plus la mer à boire si jamais j'arrive pas à tout mettre parce que j'aimerais pas non plus que... ça prenne trop de temps de faire tout ça, ce film, ce montage, cette barre d'infos, tout ça. Toi-même tu sais, ou pas d'ailleurs. Donc je vais être obligée de vous les présenter sur mes mains, mes divines mains, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, j'ai une main qui chausse du 38 apparemment. Hein, donc voilà. J'ai un problème de mise au point de lumière, de focus, de je ne sais quoi. Voilà ce que ça donne, la dentelle. Je vais essayer d'écarter un peu pour que vous voyez les trous. Parce que ma main ne va pas partout, mais si. Et ici, donc, sur le dos aussi de la tige. Alors là, je vous laisse admirer ce talon en rang raccourci. Je ne sais plus comment d'ailleurs. Rang raccourci. Talon boomerang. Elle appelle ça un talon boomerang en rang raccourci. Et j'en ai fait un autre après, pareil, qui est apparemment en boomerang aussi, mais c'est pas la même, puisque ça, c'est une toe up. Donc du coup, c'est pas le même montage que en cuff down. Mais ça, franchement, regardez-moi, il y a zéro trou. C'est the révélation, quoi. Vous voyez comment c'est? Tout est vraiment bien tricoté, il n'y a pas un pet de trou. Elles sont où les autres? Je les ai mis loin maintenant, mes chaussettes. Voilà. Là, oui, ben non, là, ça marche pas non plus parce que à Gousset non plus, il n'y avait pas de trou. Bon, je vous montre sur la paire suivante. Donc là, la laine. Donc, je ne sais plus si j'ai dit, je l'ai fait en taille 60, 60 mailles pour ma maman parce qu'elle a le pied plus fin que moi. J'ai hésité à prendre 60, 64. Je savais que j'allais raccourcir. Mais je pense qu'elle a le pied vraiment plus fin, moins empâté que moi. Donc je me suis dit que 60 mailles, ce serait mieux que 64. Donc, dans cette laine, qui est un petit peu bordeaux violacé, prune, je ne saurais vous dire. Je ne suis pas bonne en couleur. Alors, c'est de la Regia Premium Merino Yak. Donc 100 grammes, 400 mètres. Il y a 58% laine, 28% polyamide et 14% yak.
C'est assez doux aussi. Bon, c'est pas plus doux que en soie ou en cachemire, mais ça va. C'est assez agréable. Et franchement, et c'est assez dense aussi. Voilà. Donc là, pour le coup, j'ai suivi le patron qui dit de faire en 2,25 parce que je me suis dit, comme c'était pas pour moi, même si je tricote serré, mais c'est vrai que là, du coup, quand on voit ça comme ça fait un peu. Avec gants de velours. Voilà. D'ailleurs, elle se tient toute seule. Tellement je tricote serré, là, je pense que si je bloquais pas, enfin, à part pour mettre en valeur la dentelle, regardez-moi ça, le dessous du pied, c'est nickel. Voilà. Franchement, elle est assez, c'est assez joli comme couleur. Il y a, en plus, elle est un peu nuancée, ça se voit pas trop, mais parce que c'est pas une laine artisanale, tout ça, mais elle a comme des endroits où c'est un peu plus bordeaux, des fois c'est un peu plus violet, enfin bref. Alors, j'en reviens à l'explication. Donc, on commence par le bas. Donc, montage à la turque en Magic Loop. On monte. Après, on attaque la dentelle ici devant avec cette imitation de fausse torsade ici, là. Le dos, on laisse en maille endroit. Ensuite, donc, talon boomerang en rang raccourci. Ici, j'ai oublié de vous montrer une tresse estonienne. C'est la première fois que je vois ça, que j'entends ça et que je réalise ça. Tac, tac, tac. C'était mon tricot vacances, hein. Donc je vous avais dit, j'ai emmené juste de quoi faire deux paires de chaussettes, donc celle-là et la prochaine. Et donc, les tresses estoniennes. Il y a un reflet là, c'est pas terrible, mais voilà. Donc là, par contre, j'ai utilisé un tuto de Knit Spirit. Donc, franchement, pareil, si vous avez besoin, elle présente très bien cette technique-là. Donc, ça m'a pas posé souci. Après, ici, des côtes 1-1, 1-1 torse, je suppose, parce que vu comment ça rend, je suis pas encore très habile, mais je pense que c'est ça. Et ici, pour le rabattage, elle nous laisse le choix du rabat élastique qu'on veut. Et donc, elle donne plusieurs techniques. Qu'on peut tester, et elle nous met les liens en vidéo. Enfin, elle donne les liens. Qu'est-ce qu'elle propose? Rabattre, rabattre, rabattre. Elle propose l'élastique ribbing bind-off, le Jenny's Surprisingly Stretchy Bind-off. C'est celui-là que j'ai pris. Après, il y a le Elizabeth Zimmerman Soon Bind-off et le rabat en double chaînette. Voilà ce qu'elle propose comme technique avec les liens vidéo pour qu'on aille voir. Moi, du coup, j'ai pas suivi spécifiquement le lien vidéo, j'ai tapé, vu que j'entendais des fois certaines dire oui, j'ai fait un JSSBO, j'étais là, et certaines disaient la longue phrase Jenny's Surprisingly Stretchy Bind-off. Je me suis dit, mais moi aussi, je veux le faire, le Jenny's Surprisingly Stretchy Bind-off. C'est chose faite avec à nouveau un tuto de Knit Spirit, et franchement, c'est trop facile, c'est trop génial, et je trouve que c'est trop beau. Je préfère en vrai ce rabat qui fait des petites. Vous voyez? Elle fait comme des petits chevrons. C'est tout mignon. Ou comme ça. Je trouve ça trop chouette le rabat. Et donc, oui, en effet, c'est élastique. Donc voilà, j'étais ravie de faire ce patron qui était gratuit, qui est pour ma maman, que j'ai fait en vacances et qui m'a permis d'apprendre trois techniques, à savoir le talon boomerang en rang raccourci. Avec relevage de maille, je ne l'ai pas encore dit, mais je vais vous expliquer vite fait. La tresse estonienne et le rabat JSSBO. Voilà. Donc, je vous réexplique quoi? Ah oui, le talon. Le talon. Au début, je me suis dit, oulala, quand j'ai vu qu'il fallait relever des mailles, j'ai fait, comment je vais faire ça? Et en fait, j'ai été un peu à l'instinct. Alors, sur une. Ah bah, c'est celle-là. Voilà. La première. Mon instinct était moyen sur les premières mailles, mais après j'ai trouvé où prendre. Me demandez pas de vous l'expliquer parce que là comme ça je ne sais pas trop. Est-ce qu'on va voir sur le retour? C'est même pas dit parce que la couleur. Bah mince en fait, si je crois que c'est là. Là à certains endroits, je vais pas le retrouver. Ici. Il fait nuit à moitié en plus. Attendez. Je crois qu'à certains endroits, on dirait que j'ai comme des traits. Mais non.
Je ne sais plus. Quelque part, je trouvais qu'on dirait que j'avais que des traits, un ou deux traits horizontaux, pardon. Et après, sinon, ça fait des chevrons quand j'ai monté les mailles. Vous voyez? Enfin, je dis vous voyez, je suis pas sûre que vous voyez quelque chose, mais. Et après, à chaque fois, ça fait ça, ces petits chevrons-là. Et franchement, zéro trou. Alors là, vraiment la révélation. Donc, je suis trop contente. J'ai mis top à refaire, tout comme l'autre. Hein. Pour l'instant, je suis assez contente des tricots que je fais. Déjà parce qu'à chaque fois, j'apprends un truc. Donc, forcément, eh ben, je me sens grandie. Je sors de cette expérience à chaque fois avec ben voilà, une nouvelle réalisation réussie. Donc, l'autre, c'était le point de demi-toile avec bon, le coup de la pointe en étoile que j'ai pas aimé du tout. Le rabat à l'italienne, ok, mais j'ai pas kiffé. Mais là, par contre, j'ai vraiment kiffé. Parce que le talon boomerang en raccourci avec zéro trou, même si au départ j'ai eu peur, je vous dis, de relever les mailles, au final, après j'ai trouvé où faire, ça s'est bien passé. La tresse estonienne, on se dit, oulala, comment on va faire ça? Eh ben, un bon tuto et ça se passe très bien. Et le JSSBO que je trouve vraiment trop beau. Vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Mais moi, j'ai adoré le faire. Et voir la réalisation. En plus, comme c'est pour un cadeau, je vais donc tout à l'heure aller imprimer le patron donc de comment on appelle ça? De ah ça là, de bloqueur à chaussettes pour faire mes bloqueurs dans un vieux set de table qui traîne et qu'on n'utilise plus et faire comme Emma de Tricolibri. Voilà, je te pique l'idée, Emma. Donc voilà. Ce sera tout pour celles-là. Elles vont partir aussi au blocage avec les copines. Et on attaque par. On attaque. On continue plutôt avec la troisième paire réalisée. Donc pendant mes vacances, enfin que j'ai commencé pendant mes vacances et que j'ai fini ce matin. Pour tout vous dire. Et je prends pas le bon patron. Hop là. Il s'agit des Azalée Socks de Ginny Tricot. Voilà. Ce patron m'a été offert par Brigitte, que je remercie et à qui je fais un gros bisou si tu passes par là. Vraiment, déjà, merci beaucoup parce que j'ai été très touchée par le geste. Je m'y attendais pas et c'est vrai que, comme je vous dis, moi je suis une fille normale, hein. Je suis pas une influenceuse, je ne sais quoi. C'est pas mon métier. Je partage avec vous mes réalisations, histoire de papoter avec quelqu'un. Même si là, tout de suite, vous ne me répondez pas. Mais j'ai l'impression que vous êtes derrière. Alors, pas autant que ce que je vois sur, on va dire, les 2000 abonnés que j'ai sur YouTube en ce moment. J'ai plutôt l'impression que vous êtes que quelques-uns à me suivre. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on échange entre copines et que je vous raconte un peu mes aventures. Donc, voilà, j'ai été très touchée quand j'ai reçu le patron et très émue parce que j'ai même été voir mon mari en disant, oh, tu te rends compte, je viens de recevoir un mail, apparemment, il y a une abonnée qui m'a offert un super patron. En plus, franchement, elles sont trop kiki, quoi. Vous voyez? Enfin, bon, l'image est un peu. Ouais, ça reflète. Mais ouais, non. Bon, de toute façon, vous allez voir les miennes. Est-ce qu'il y a une autre photo? Ouais. Il y a une autre photo. Comme vous allez voir. Ah, peut-être je vais essayer de mettre sur mon pied aussi, histoire de me rendre un peu ridicule une nouvelle fois. Donc, avant tout, je vous le dis, il existe en trois tailles S, M et L. Donc, S, 56 mailles, M, 64 mailles et L, 76 mailles. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Alors, je l'ai fait en deux types de laine, puisqu'ici, vous avez les contrastants pour le talon, enfin, ici, les côtes, le talon. Ici, il y a deux rangs de contrastants et la pointe. Donc, je vous présente de ce pas. Hop là. Donc, mes contrastants, du coup, je suis partie avec la Merino Yak pour faire la paire de ma maman. Et entre-temps, j'avais acheté celle-ci chez Rascol. Puisque, bah, vous avez peut-être pas suivi mes aventures sur Insta si vous ne me suivez pas là-bas. Mais en gros, à 3-4 jours de partir, j'ai cassé un des câbles de mes mini circulaires du kit Xiaogu interchangeable. Donc celui qui me servait à faire le tricot circulaire en rond de mes chaussettes. Il s'est sectionné net.
Donc là, panique à bâbord parce que j'avais pas de. Bon, déjà, il a fallu que je sauve mon tricot avant que toutes mes mailles se fassent la malle. Et en plus, eh ben, j'avais pas d'autres aiguilles circulaires en 2,5. Donc j'ai tout basculé vite fait sur une paire de 2,25 le temps de commander chez mon ami Rascol. Donc deux paires finalement. J'ai carrément pris deux paires de 23 cm en fixe en 2,5 puisque finalement, c'est en 2,5 que je tricote le plus souvent. J'en ai profité pour prendre deux petites pelotes comme ça parce que comme Brigitte m'avait offert le patron des Azalée Socks, je me suis dit qu'avec ces autorayons-là, et j'avais déjà entendu que la Shrépièce, je pense qu'on dit ça comme ça, Downtown, était très douce, et je confirme, elle est très douce. Et puis, bah voilà, j'ai cherché après dans mon stock qu'est-ce que je pouvais faire pour la paire pour ma maman et qu'est-ce qui pourrait en même temps servir de contrastant pour la mienne. Comme ça, je me ramenais pas avec la moitié de la laine de la maison. Donc, celle-ci, c'est le coloris 402 Morning Mist. Et finalement, bon là, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais en fait, il n'y a plus grand-chose, hein. Mais finalement, quand même, sur les 50 grammes de cette pelote, il me reste 25 grammes 28. Donc j'ai utilisé la moitié d'une seule pelote pour me faire la paire avec donc le contrastant ici. Je ne peux pas vous dire combien j'ai utilisé de contrastant. Je n'avais pas pris la balance pendant les vacances. Donc je sais ce qu'il me reste du contrastant maintenant. Est-ce que je l'ai noté? Je ne sais plus, mais bref, ça ne va pas vous servir, mais qui m'aura servi à faire la paire de ma maman plus les contrastants, et il m'en reste encore. Ok? Est-ce que j'ai mis combien il m'en reste? Ouais, il me reste 28 grammes 88 de cette paire-là, de cette laine-là. Donc, je vous la remontre, un dégradé donc de parme, violet, turquoise et un bleu mint un peu là. Et donc rose. Voilà. Tout mignon. Et donc, avec ça, j'ai fait. Ah bah ben là, je peux utiliser mes bloqueurs. Un bloqueur et un pied. Un vrai pied. On va faire ça. Je vais. Oh. Je vous mets sur pause, je vous reviens. Alors, un vrai pied. Tac, tac. Et là, dans ce sens-là, je vais essayer de pas tout faire tomber. Voilà cette magnifique dentelle. Franchement, elle est pas ouf. Elle est trop belle. Je suis trop ravie. Regardez-moi ça. Donc, cette laine auto-rayante, pour info, j'ai vu que sur le patron, il parle de laine auto-rayante à 2 rangs et laine auto-rayante à 4 rangs. Donc, je suppose que les laines artisanales, elles fonctionnent comme ça. Il se trouve que elle, c'est une laine industrielle. Et elle auto-raye, mais tous les 5 à 6 rangs. Donc, c'est pas pareil, mais on s'en fiche un peu. Les deux, c'est des pareils, pas pareils. Hein, parce qu'ici, je commence sur du turquoise. Celle-ci que j'ai au pied, elle commence sur le mint. Est-ce que c'est grave? Non. J'ai utilisé le fil de la pelote extérieure et non intérieure, parce que je ne voulais pas que ma pelote se. Comment on va dire ça? S'écrabouille par l'intérieur. J'aime bien, moi, faire par l'extérieur. Je ne cherchais pas, c'est comme ça. Et du coup, quand il a fallu attaquer la deuxième, je me suis dit, je vais attaquer sur la deuxième pelote, puisque j'avais pris les deux pelotes avec moi. Mais l'autre, elle n'attaquait pas sur la même couleur. Je n'avais pas fait gaffe avant. Bêtement, je me suis dit qu'elle commençait toutes les deux par la même. Et que j'allais attaquer les deux comme ça. Eh ben non. Donc je me suis dit de toute façon, que soient les fils intérieurs ou extérieurs, ça démarrait pas pareil. Je dis allez zou, on va pas s'enquiquiner la vie non plus. C'est que des chaussettes. Donc voilà. Modif que vous pouvez voir ici, c'est que moi j'ai pas remis la dentelle en dessous du pied. J'avais peur que les petits trous ou la partie un peu je ne sais pas si vous allez voir, ça fait comme une petite nervure ici, là, entre les jetés, là. J'avais peur que ça fasse une petite, comment on va dire ça, des petites épaisseurs et des choses qui ne seraient pas agréables aux pieds dans les chaussures. Donc, j'ai préféré pas mettre. Donc, ici, vous faites un peu de point mousse, vous faites le diagramme de dentelle. Un bonheur, ce diagramme. Il est hyper facile à retenir et franchement, il rend hyper bien. Je vous montre. Voilà.
Donc ici vous faites un talon comment? Déjà, c'est un cuff down. Ensuite, long tail caston ici, la dentelle que j'ai mis, très chouette et facile à réaliser. Oui, je confirme. Après, donc que j'ai pas fait en dessous. Ensuite, talon en rang raccourci boomerang qui m'a posé des petits soucis de compréhension au départ puisque pour démarrer, elle démarre directement sur un rang envers en disant faites une maille double. Et là, je me suis dit, moi d'habitude, enfin d'habitude, j'ai pas grandement l'habitude, mais sur les chaussettes que j'ai fait jusque-là, on faisait d'abord le rang envers et à la fin, en retournant, on faisait la maille double avec le fil du rang envers, quoi, vous voyez. Et là, je me suis dit, sachant qu'on vient de finir la dentelle là et qu'il faut attaquer avec le contrastant, avec un fil qui se balade comme ça et qui est accroché à rien, il faut faire une maille double. Et là, ça m'a fait un peu des nœuds au cerveau. J'ai comme... Oula, c'est la tempête. Je ne sais pas si vous entendez, mais là, il y a un vent à décorner les bœufs et il pleut à mort. La vache, c'est les giboulées de mars au mois de juillet. Bref, donc oui, ça m'a un peu... J'ai bugué. Je me suis dit, là, je comprends pas comment je peux faire une maille double. Elle nous met quand même le lien vers le tuto du talon boomerang de Démaille et moi. Mais en regardant la vidéo, bah, je suis désolée, mais Christelle de Démaille et moi, comme moi, elle l'attaque par un rang envers de talon. Et c'est seulement en repassant, en retournant sur l'endroit, qu'elle commence avec sa maille double. Donc j'ai fait un schmilblick, j'ai réussi à faire en faisant, en gros, en tricotant la maille, en tirant dessus, enfin bref. Deuxième petit point noir que j'ai pas bien compris, c'est quand on attaque donc la partie ici où on a deux rangs à faire pour le boomerang en rond, entre la partie haute et la partie basse du talon. Ouais, je veux pas trop en dévoiler, mais en gros, le diagramme se fait sur 11 mailles. Donc, si vous répétez, sur 64 mailles, c'est pas un multiple de 11. Donc en fait, elle nous fait travailler, augmenter de, pour ma taille du moins, passer de 64 à 66 mailles. Comme ça, en faisant 2 fois 33 sur les 33 mailles, ça fait 3 fois le diagramme de 11. Je pense que vous me suivez et que je dévoile pas trop. Et donc du coup, pour faire le talon, on nous fait faire sur 32 mailles ici et garder le devant 34. Ah oui? Mais après, quand on nous dit ici de refaire les deux mailles en suivant le motif, je suis désolée, mais là, on est à 34 mailles et là, on est à 32. Donc là, bah, j'ai fait une maille en droit pour rattraper là où j'en étais du motif et relancer mon diagramme, quoi. Je ne sais pas si vous me suivez, mais enfin, bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Le pied ici, elle nous dit, avant d'attaquer le rang contrastant, là, de faire tant de centimètres avant la pointe. Ça, ok. Donc on fait ça. Sauf qu'après, ici, pour la suite, elle dit de faire 1 à 2 fois des rayures de 4 rayures. Enfin, un ou deux lots de 4 rayures. Sauf que, ben, on ne sait pas combien ça fait de centimètres jusqu'au bout. Et moi, vu que j'ai fait déjà plusieurs chaussettes, je me suis dit déjà, je suis à je ne sais pas combien de centimètres là. Si je fais vraiment... Ben, j'ai essayé de faire du coup que un lot de 4 rangs, au minimum, quoi. Pour faire après la pointe pour que ce soit pas trop long. Et j'ai bien fait parce que sinon ce serait beaucoup trop long. Là ça tombe pile poil, vous voyez. Donc j'aurais bien aimé que ce soit pas que à chaque fois en nombre de rayures ou en nombre... Enfin j'aimerais avoir à chaque fois en nombre de centimètres parce que là on pourrait très bien faire cette chaussette sans rayures à vrai dire. Ce serait très joli aussi avec une couleur assez claire pour mettre en valeur la dentelle et point. Il n'y a pas besoin que de rayures même s'il a été prévu pour... Et du coup, à la fin, on finit donc Magic Loop pour faire la pointe. Et donc là, c'est des diminutions en prenant par le brin arrière. Et je trouve que ça fait plus ressortir que quand on fait par le brin avant. Enfin, perso, je préfère par le brin avant. Peut-être que c'est peut-être juste pour ces petits côtés un peu, les petits biais là, qui sont peut-être plus jolis. Je sais pas, mais perso, non. Quand je vous disais pour les trous-trous, bon, vous me direz, je tricote tellement serré que finalement, j'ai pas trop de trous-trous, mais vous voyez quand même que potentiellement ici, il peut y avoir des petits jours au niveau du talon. Vous voyez, que sur les autres, là, il y a zéro jour, quoi. Si je passe mon doigt,
Il y a 0 jour là. Bon, bref. Voilà. En tout cas, belle expérience parce que je trouve que ça, ce motif de dentelle fabrique ses vagues. Ce motif. Et je trouve ça. Déjà, comme je vous dis, c'était tellement facile à retenir que c'était chouette. C'était une bonne rythmique. Et non, ça rend vachement bien. Et je suis pas déçue d'avoir prolongé comme ça tout droit. En vrai, quand on les porte, on se balade pas de profil comme ça. Hein, c'est soit on voit le dessus, soit on voit le dessous. Et puis voilà. Donc voilà, on va s'arrêter sur cette partie-là. Est-ce que j'ai dit grand-chose? Est-ce que j'ai oublié des trucs? Non. Ah oui, si, à la fin, là, pour les diminutions avant le grafting, il y a une partie, vous savez, à chaque fois, on diminue un rang sur deux, puis après, on diminue tous les rangs. Là, elle a dit qu'il fallait répéter tant de fois pour diminuer, pour atteindre jusqu'à 10 mailles avant de faire le grafting. En vrai, il manquait une répétition. Enfin bon, là, je me suis dit, j'arrive à 12 mailles en faisant ça, il faut arriver à 10, et ben, j'en rajoute une, et puis c'est tout. Donc, pas de souci. Allez, je vous laisse, je vais aller faire tenter de faire les bloqueurs à chaussettes dans mon set de table, mettre à bloquer mes petites merveilles, et puis on va peut-être se retrouver pour clôturer avec tout ça, et on se retrouvera sûrement dans un autre épisode pour suite de la banane, enfin suite, début en fait de la couture de la deuxième banane pour ma... Enfin, je vais y arriver, de la deuxième banane pour moi à réaliser. Mes réalisations pour ma collègue. Allez, je vous reprends vite fait avant la fin de cette vidéo, puisqu'on approche du but, n'est-ce pas? Pour vous montrer la template que j'ai imprimée, donc de Cyber Sims, comme je vous disais, donc comme ça en fait, mais c'est imprimé dans le, enfin c'est écrit dans l'autre sens. Dans le blabla, il n'y a pas grand-chose à part essayer de prendre un truc un peu épais. Pas trop gros quand même, 3 mm max, qu'il soit résistant, assez rigide à l'eau pour pouvoir mettre à sécher, ce qui est logique. Imprimé sur une taille de papier, je pense, format lettres, puisque c'est pas écrit en français dans le texte. Sauf que j'ai un petit souci, c'est trouver quelle taille, puisqu'il n'y a pas de. Même en inch, en pouce, en ce que vous voulez, il n'y a aucune taille d'écrit. Voilà. Donc, quand je mets mon 38-40 derrière, par transparence, vous voyez un petit peu comme ça là. Bon, là il manque un petit bout, mais bon, bref, je suis déjà dans aucune taille. Donc, déjà, je vais m'amuser à essayer de trouver celle qui pourrait correspondre à un 38 pour ma maman. J'avoue que comme mon 39, 40, 38-40. Et plus grand que ça, je vais peut-être partir sur ce pointillé-là. Enfin, le gros trait là, le gros tiret, je veux dire. Et on verra bien. Je vais, au pire, je redécouperai si besoin. Je vais voir par rapport aux chaussettes que j'ai réalisées si ça passe ou pas. Je vais au niveau d'ici là, poursuivre un petit peu la tige et essayer de faire un. Comment on appellerait ça? Comme un crochet. Pour pouvoir le suspendre plus facilement pour faire sécher. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous mettrai une ou deux photos de mes chaussettes qui sont en train de bloquer. Là, je m'en vais de ce pas mettre mon linge à sécher puisque aïe, les jeans et le reste de ma machine à laver est fini. Maintenant, faut mettre à sécher. Allez, à tout à l'heure. Alors, on se retrouve avec. Je vous ai dit que j'allais préparer les bloqueurs pour les chaussettes de ma maman qui fait en gros un 38 et pied assez fin. Donc j'ai découpé, comme je disais, la partie en tiret comme ça. J'ai rajouté un petit bout de feuille pour essayer de faire, comme je vous disais, un genre de crochet pour que ce soit plus facile à sécher et à suspendre. Sauf qu'au départ, j'avais coupé par là et puis je me suis dit, oui, mais là, ça fait pas beaucoup de tiges. Donc, j'ai rajouté un petit peu à la découpe. Je vais en prendre qu'un, histoire de ne pas me galérer. Oui. Donc vous voyez, j'ai rallongé. Je vais le tenir comme ça. J'ai rallongé comme ça pour avoir assez de tige parce que la chaussette de ma maman, qui est au blocage, je ne l'ai plus sous la main, a une tige quand même assez haute. Donc voilà. Évidemment, comme elle a deux pieds, et ben j'en ai fait deux. Voilà.
dans un magnifique set de table avec des cafés, des épices, je ne sais plus quoi, bref, dont on ne se servait plus. Donc, merci pour l'astuce, Emma, donc de Tricolibri. Je te fais un coucou si des fois tu passais par là. Je vais vous présenter un petit peu du matos là. Là, je fais un petit coucou à Caro de Caroline Création qui avait fait un petit appel aux Tricopines sur Facebook pour savoir qui prenait quoi pour tricoter en vacances et notamment en termes de matériel, de type de sac, etc. Donc, je vais te montrer, Caro, ce que j'ai pris pour mes vacances. D'habitude, à la maison, je range facilement là-dedans ou... je sais pas la taille. Alors ça, j'avais acheté chez AliExpress en même temps que ça, mais je vous le présente après. Ça, c'est un petit pochon que j'ai tricoté, que j'ai cousu moi-même. Et en fait, c'est celui-là que je trimballe si je vais au boulot ou quoi. Dedans, je mets juste... 1 mètre si jamais j'ai besoin de, si j'arrive à un moment où il faut que je mesure. Qu'est-ce que je mets d'autre? Une paire de ciseaux et je mets un bouchon de liège au bout pour pas qu'il s'ouvre. Ma pelote et mon tricot évidemment. Et des fois une autre paire d'aiguilles si jamais j'ai une maille qui se barre pour essayer de la rattraper. Et selon où j'en suis de mon tricot, je peux prendre aussi ma petite boîte de marqueurs. Je vais de ce pas te montrer ça. Puisqu'en fait, pour les vacances, j'ai pris celui-là qui est légèrement... plus grand, pas de grand chose hein, mais un tout petit peu plus haut et un tout petit poil plus large, transparent ici avec un magnifique motif. Je tilte parce que c'est mon chéri qui fait du bruit à côté mais il faut que je finisse cette vidéo avant qu'il fasse nuit et puis comme ça je vous la monte et puis je vous l'envoie sur YouTube assez vite. Donc vous avez dû voir passer ce magnifique petit sac que mon chéri m'a offert, acheté sur Temu, hein, la nouveauté, après AliExpress, Temu, pour 3 francs 6 sous. Je ne sais pas combien c'était, mais c'est sûr que c'était moins de 5 euros. Voilà, voilà. En plus, il se tient bien. Je dirais mieux que l'autre qui est plus vraiment fin. Là, je ne sais pas si vous voyez, c'est à peine doublé, etc. Lui, il est comme molletonné, vous voyez ? Il y a une petite épaisseur. Puis alors franchement, j'adore les couleurs. J'aime bien tout ce qui est un peu feuillage. Vous pouvez le voir là. Si vous avez vu mes stories, vous aurez vu aussi que j'avais une trousse à feuillage dans les tons un peu comme ça, menthe, etc. Bref, donc dedans, j'avais mis ma grande aiguille. Alors là, vous allez vous dire, elle a craqué. C'est quoi ce grand câble? Oui. Si vous avez suivi mes péripéties où j'avais cassé mon câble d'interchangeable juste avant de partir en vacances et que je voulais reprendre des fixes, je me suis dit bah je vais prendre pour le Magic Loop aussi en 2,5 et je pensais prendre 80 comme j'avais déjà une paire en 2,25 et une autre en 2,5 mais qui n'est pas en pointe métal. Bref, et puis après je me suis dit ouais mais quand tu vas... t'améliorer en tricot, tu auras peut-être envie de faire le Magic Loop des deux paires de chaussettes en même temps. Et là, je ne savais pas quelle longueur de câble il fallait que je prenne. Est-ce que je prenais 100, 120, 150? Et là, je me suis dit, qui peut le plus, peut le moins. Donc, j'ai pris le câble de 150. Comment te dire que c'est méga pas trop pratique? C'est méga trop long, n'est-ce pas? Donc, à refaire, je ne le referai pas. Bon, si jamais je tricote un pull en 2,5, voilà, je suis tranquille, quoi. Mais, bon ben, comme Rascol m'a remboursé le câble Xiaogu qui avait cassé, parce que je leur ai expliqué ma mésaventure et que c'était garanti, et ben, ils m'ont remboursé. Donc, je me dis, j'ai un bon d'achat, entre guillemets, sur leur site. À l'occasion, je reprendrai peut-être, alors je sais pas, 80, 100, dites-moi, parce que j'ai peur que 80, ce soit trop court pour mettre deux dessus. En même temps, je sais pas si je le ferai un jour. Si j'arriverai à maîtriser la technique pour faire deux en même temps. Mais, s'il y a des tricoteuses de chaussettes averties dans le public, j'aimerais bien que vous me donniez la bonne réponse de quelle taille de câble vous prenez. 80, 100, 120, je crois que c'est ça les différentes tailles. Sachant que, je suppose, pour une, 80 c'est bien, mais pour deux, j'ai peur que ce soit juste. Bon, bref, j'avais celui-là. Sinon, à part ça, dans mon petit pochon, j'avais... cette petite boîte là de chez Ciseaux Magiques dans laquelle je mettais mes marqueurs, mon aiguille à laine, mais là je vous cache pas qu'en fait je viens juste de vider pour mettre dans un tout petit
porte-monnaie Corsica qui était à ma chérie Choupette et qui m'a servi dans mon sac banane d'ailleurs parce que, comme je vous ai dit, les poches n'étaient pas très grandes donc j'avais pris ça au lieu de mon porte-monnaie de base et j'ai tout transféré là-dedans parce que il se trouve que j'ai une, alors le nom, épicondylite. J'ai très mal là au coude et ça me déclenche du coup des douleurs dans le bras en fonction de ce que je fais. Et que maintenant, ma mobilité est assez réduite et que le fait de serrer le poing, de faire des mouvements de rotation et autres, ou voilà, en gros, c'est un tennis elbow. Hein. Je fais pas de tennis, mais bon, bah, j'ai déclenché ça en juin, mi-juin, je dirais même, ou peut-être début juin. Bref, il se trouve que je travaille donc en bureau et donc bah, entre la souris, le téléphone, qui est pas toujours. Bon, mon bureau n'est pas. Enfin, mon poste de travail n'est pas du tout ergonomique et j'ai deux bureaux de tailles différentes. Je travaille sur un espace assez restreint. J'ai pas beaucoup de recul entre mon clavier et la fin de mon bureau. J'ai demandé une souris ergonomique parce que je me faisais assez régulièrement des tendinites de pouce. Mais je pense que c'est pas la souris la plus ergonomique du monde. Mais enfin, elle est déjà moins pire que l'autre qui était toute plate. Mais voilà, les mouvements de je t'attrape le téléphone dans ce sens-là, je récupère là, je récupère les gens de l'autre côté. Il faut arriver à travailler sur trois quarts de. Trois quarts plus le tricot. Je pense que ça a joué. Je dirais même que ça a en rajouté une couche. Bref, au final, j'arrivais plus là dernièrement à pincer, à ouvrir la boîte qui, bah, qui est vide, ça va. Mais comme elle commence à être bien pleine, ça n'allait plus. Bref, donc je me suis dit que j'allais me séparer de ça, mettre ça là-dedans, et d'ici quelques temps, je trouverai une petite boîte en plastique pour que ce soit à plat. Parce que, en vrai, ça, c'est quand même vachement pratique quand vous avez les marqueurs pour les attraper. Là, plonger comme ça à la verticale, je trouve ça chiant. Voilà. Mais je trouvais ça pratique parce que des fois, je mettais l'aiguille à laine de ce côté-là où je triais les marqueurs dont j'avais besoin, et puis voilà. Bref, tout un laïus pour ça. Donc, mes ciseaux avec mon bouchon de liège. C'est la vie, hein. Ciseaux action, et puis bouchon de liège, on s'en fout, hein. Vous buvez ce que vous voulez. Un contrant, pareil, de chez AliExpress, comment on appelle ça, à LED, là, comme ça, là, je sais pas si vous voyez quelque chose, si. Donc ici, vous rajoutez les rangs, et ici, reset, pour repartir à zéro, et là, c'est de nuit, vous pouvez rajouter la lumière. Une petite lumière bleue, je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, voilà. Donc voilà, bon, celui-là je m'en sers pas des caisses parce que j'ai toujours peur que après coincé dans le sac, il en rajoute des rangs. Mais au moment où je tricote, ça peut me servir. Hop, mince, je vais tout faire tomber. On compte les rangs vite fait et quand on fait une pause, on regarde où on en est. Je le note sur un petit carnet que j'ai là, un petit carnet comme ça. Que je trimballe aussi et comme ça je note tout. Un petit crayon et donc comme je vous dis une petite aiguille fixe, puis là j'avais une deuxième du coup pour la petite histoire j'en avais acheté donc deux sur Rascol mais comme la livraison était prévue entre avant que je parte et après que je parte, je savais pas si j'allais les récupérer avant de partir. Donc j'ai fait une commande Amazon pour en avoir une autre paire qui m'a coûté deux fois le prix en gros. Pour qu'au final, elle arrive après la commande Rascol. Avant que je parte, d'accord, mais après la commande Rascol. Bref, et ce que j'ai fait tomber, c'est un mètre que j'ai eu dans un petit kit Lidl à 3 euros, peut-être bien, ou 2 euros, peut-être même. Bref, il était déjà tout plié, tout propre, et j'ai, pour pas qu'il s'en mêle et qu'il se défasse, avec un petit bout d'élastique, j'ai fait un petit nœud. Et voilà, ce qui fait que je plonge tout ça comme ça au fond, plouf, bon, je ne vous reprends pas le grand câble. Hop, je prends une pelote pour vous montrer ce que ça donne. Mon tricot par-dessus, plouf, et voilà. Donc Caro, si tu veux savoir comment je suis partie comme ça. Sinon, je suis partie dans mon sac avec cette trousse-là qui allait donc avec. Avec la poche intégrée, le sac intégré là, mais que j'ai pas pris. Si jamais vous voulez en savoir plus, les tarifs et tout, parce que là je m'en rappelle plus, j'avais fait un haul AliExpress, Rascol, je sais plus quoi. Vous retrouverez là. Donc là, il y a de quoi ranger des crochets. Là, je mets les
les aiguilles à torsade, là il y a la jauge, je sais plus dans quoi je l'ai eu celle-là. Bref, on s'en fiche. Donc tout ce qui est arrête ma stop maille, bloqueur en deux mailles. Bon, pour mettre les mailles en attente, quoi. Ici, mes quelques aiguilles fixes. Donc c'est celles-là qui sont en 2,5, qui sont en matière un peu chelou. Je ne saurais pas expliquer ce que c'est, mais que j'aime pas trop. Et ici, une petite pochette dans laquelle j'ai un compteur de rang que m'a fait mon amie Sophie Criasso30. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Je ne sais plus. Une autre aiguille à laine. Et puis les petits libas, les petits marqueurs qu'elle avait fait avec. Je vous remonte. Hop. Donc ça, c'était plein de petits marqueurs. Voilà. Qu'elle m'avait envoyé en cadeau. Et le compte-rend que je vais pouvoir ressortir pour mon pull. Avec des petits chats. Là. Et là. Bon, bah voilà. Donc pour ça. Donc ça, c'était le matos. Bon, j'avais pris ma petite pochette d'aiguilles interchangeables Chaogu rouge au cas où j'en ai besoin, des fois qu'il faille monter ou descendre d'une taille et que j'ai pas. Je m'en suis pas servi, je m'en doutais un peu, mais dans le doute, je voulais pas partir sans, vu la taille que ça prend. Sinon, je pèse mes laines avec cette petite balance que j'avais achetée chez Aromazone à l'époque où je m'amusais à faire quelques cosmétiques maison et autres. Et sinon, dernièrement, dans mes achats, ce sera une fin de vidéo un peu blabla haul. Je ne sais pas. J'ai acheté... Ah non, pas bras droit, ça fait mal. Pourtant, c'est pas lourd, mais... Ah, avant de faire une torsion ou un truc qu'il faut pas... Hop, que je perde pas un bout. J'ai acheté... sur les conseils de Caro, je te fais un petit coucou. Le dévidoir bobinoir pour quand je m'achèterai des belles laines. Voilà, voilà. Je n'ai pas encore déplié la bête. J'ai pas regardé le tuto pour savoir comment on installe cette chose. Mais je suppose qu'il ne faut pas bac plus 12 non plus. Voilà, voilà. Donc ça, je l'ai acheté pour pas trop cher, ma foi, sur le tonton... Pas tonton Ali. Sur Amazon, le vilain, hein. Mais c'était les Prime Day juste avant que je parte en vacances. Et jusque-là, quand elle avait partagé le lien, je sais pas, c'était pas autour des 55 euros ou truc comme ça. Après, quand j'étais retournée voir, c'était 45. Et finalement, pendant les Prime Day, pardon, j'ai fait du bruit, c'était plus que 31,62 € ou 67, je ne sais plus. Bon, et voilà, on quitte donc le... Ça c'est bobinoir du coup, je suppose, l'autre c'est dévidoir. Donc voilà, je me suis acheté ça. Et donc on verra si soit je craque pour un petit calendrier de l'avant les nœuds. Ça me trotte. Franchement, j'en ai regardé plusieurs avant de partir en vacances. Puis je me suis dit, attends de revenir parce que quand tu auras claqué plein de sous pendant les vacances, tu n'auras peut-être plus rien. Et en même temps, je me tâte entre soit je dépense pour ça, soit je dépense pour... acheter de la belle laine, mais par exemple pour me faire un top ou un pull ou je ne sais. Voilà. Entre les deux, mon cœur balance. Bah écoutez, est-ce que j'ai tout... Oui, j'ai tout montré. Et la vidéo est déjà bien assez longue. Je suis désolée pour les couturières qui, du coup, n'auront pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Enfin, grand-chose. J'ai quand même parlé 30 minutes sur ma banane, donc... On va dire que j'avais déjà ça. Mais vous inquiétez pas, on va se retrouver au prochain épisode, du coup, pour la suite. Sachant que là, les jeans sont asséchés. Donc la prochaine fois, eh bien, on ira couper tout ça et puis préparer. Puis entre-temps, je vais essayer de modifier ma banane pour que tous les couacs de petits rectangles métalliques qui me gênent, ça ne me gêne plus et que je les enlève puisque je trouve que... Enfin, pour ma part, ça sert à rien. Il y a bien celui où la sangle est en double pour faire le régleur, je veux bien. Mais c'est celle qui me gêne, donc il faut que je lui trouve une solution parce qu'elle m'énerve. Mais l'autre, franchement, j'ai pas compris. Donc, écoutez, sur ces belles paroles, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, amusez-vous, tricot, couture, crochet, tout ce que vous voulez en loisir créatif. Et puis, on se retrouve très bientôt, j'espère. Allez, ciao, ciao !